Je le connais. Est-ce que ce que les gens sont en train de dire sur lui là, est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? C'est effectivement vrai. C'est son habitude. Il a sa famille ici. Il a épousé une femme ici qui est actuellement enceinte. Il n'a pas su amener sa femme en Europe. C'est son habitude. Je connais un grand frère aussi qui est son petit. C'est son habitude de sortir avec la femme de ses petits. À Nantes, là-bas, c'est son habitude. Il est reconnu pour ça. Donc, moi, la fille, ce qu'elle a fait, peut-être que les gens vont penser, moi, je ne vais pas la blâmer trop. Parce que tu vois, quand je vois la fille, moi, je la prends comme si elle était une gamine. Parce que la vidéo que j'ai vue, une femme mature n'a pas le droit de se comporter comme ça. Oui, moi, je me dis, hein, si elle est vraiment tranquille dans la tête, si elle était vraiment mature, elle n'allait pas se comporter comme ça. Ce qu'on a dit comme ça, là, c'est vrai. Hein? Il n'était pas venu pour faire une surprise à son petit. On lui a attrapé en train d'acheter du billet. Je ne sais pas, en partance d'où avec la fille. Donc, c'est là que le gars est venu le surprendre. En lui filmant, il a dit en sous-sou, ne me filme pas, je suis venu te faire une surprise. Petit, pourquoi tu me filmes? Le petit lui répond, non grand, tu n'es pas venu me faire une surprise. J'ai vu une de ses vidéos, quand il a appelé son grand, il était en pleurs, le monsieur était en pleurs. Il a dit en sous-sous, hey, ma femme m'a tué. Il a refusé de coucher, elle a refusé de coucher avec moi. Elle est partie se donner à mon grand et mon grand lui a enceinté. J'ai mal. Attends, Fatmata. Donc, le monsieur qui est en chapeau là, le vieux père qui a détourné la femme de son bon fils, c'est un chercheur de femmes reconnu mondialement, internationalement, même par la communauté, par l'ONU. C'est déjà, je vous dis, tout ce que je vous raconte là, c'est déjà clair, c'est son habitude. Non, lui c'est son habitude de chercher femme des gens. C'est son habitude. C'est son habitude. Je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo, mais il faut voir l'écart d'âge qui est, l'écart d'âge entre celui-là et cette jeune fille. En plus, on ne lui a pas pris à Conakry cette jeune fille. Hein. C'est dans Boké, au village qu'on lui a pris, que le monsieur lui a pris. Boké, c'est à Boké. C'est dans la préfecture, je suis en train de parler. Il faut t'éteindre là-bas. Il faut t'éteindre là-bas, il est 23 ans, tu ne dois pas. C'est dans Boké là-bas qu'on lui a pris. Le gars a travaillé très très dur. Je ne sais donc, pas pourquoi. Il est parti prendre la femme dans un campement. Oui, c'est dans un campement, c'est au village. Ce n'est même pas en capitale, hein, c'est au village. C'est à Boké que le gars a eu le courage. C'est à Boké là-bas. Il a financé tout. Il a payé la dot pour cette jeune fille. Je suis écœurée pour la famille de cette jeune fille. Parce que là où je suis comme ça, là, je sais que quand tu ouvres le cœur de la maman de cette jeune fille, c'est de la peine que tu trouveras. C'est de la honte que tu trouveras. C'est que je pense même pas si cette dame, si elle a vu cette vidéo, si elle a pu dormir. Imagine-toi, dans une famille polygamique, comment les choses se passent. Toi, ta fille a eu la chance de se marier en Europe. Personne ne peut... Voilà. La chance. T'as bien fait des filles, c'est la chance. Voilà, c'est la chance. C'est ce que j'ai dit, c'est la chance. Sinon, il y a des milliers de femmes en Europe. Il y a des milliers de femmes en Conakry ici qui sont plus éveillées que elles. Ah, mais pourquoi toi, actuellement? Moi, je suis à Conakry. Moi, je suis à Conakry, dans la commune de Matoto. Moi, je suis à Conakry. C'est qui est Matoto? C'est lui-là qui est Matoto? Non, non, je dis, je suis à Conakry, dans la commune de Matoto. Matoto, c'est qui? Tu m'as demandé si... Certaines femmes africaines, comment vous êtes en fait quoi? Femme, mes sœurs africaines, ma sœur, est-ce que tu t'es regardé avant de tromper ton mari? Est-ce que tu t'es regardé, s'il te plaît, avant de tromper ton mari? Est-ce que tu as un miroir déjà? Si tu n'as pas un miroir, prends ton téléphone, tu te regardes bien. Parce que là, je n'arrive pas à comprendre en fait quoi. Toi-même, tu t'es regardé avant de tromper ton mari? Non, je ne pense pas. Quelqu'un s'est débrouillé ici et il te marie et puis il prend ton argent pour te ramener ici et toi, tu viens, tu te couches avec, c'est pas son collègue ou son... c'est pas quoi, en fait. Et après, il part, toi, tu te fous de lui, quoi. Tu penses que tu te fous de lui. Non! Détrompe-toi. Détrompe-toi, tu te fous pas de lui. Tu te fous de toi-même.
Tu te fous de toi-même. Tu connais l'Europe? L'Europe, c'est la zingle. Oui, c'est ici. Du coup, on se mange entre nous. Je ne sais pas si tu comprends. L'Europe, c'est la zingle, ma sœur. Quand la karma commence à te frapper, tu vas pleurer. Tu vas regretter. Tu vas pleurer. Parce qu'ils vont te faire poum-pang ici. Je ne sais pas si tu comprends. Poum-pang. Lui, il tape, il donne l'autre. L'autre tape, poum-pang. Ils vont te faire poum-pang. Parce que d'abord, tu n'as pas de situation. Et c'est toi qui oses de tromper ton mari et puis tu te trompes. Non, mais vous n'êtes pas pitié de vous. Hein. Il y a certaines filles qui n'ont pas pitié de vous, qui n'ont pas pitié d'elles. En ce moment, déjà, c'est difficile d'avoir mari. Parce que tous les hommes en ce moment, ils sont occupés de chercher de l'argent, chercher leur avenir. Et toi, tu trouves un mari qui fait tout, qui te ramène ici. Et toi, tu penses que tu es arrivé au paradis. Tu n'as pas arrivé au paradis, tu es arrivé aux angles. Ici, là, c'est aux angles, ma sœur. C'est aux angles ici, là. Tu ne connais pas d'abord, tu vas connaître. Attends juste un peu. Voilà, attends juste un peu. L'Europe va t'apprendre comment vivre. L'Europe va te montrer la réalité. L'Europe va t'enseigner. L'Europe va t'enseigner. Hein? Vous dites qu'il n'y a rien dans votre cerveau, en fait. Mais vous allez avoir quelque chose. Je rigole. Parce que je ne sais pas si tu t'es regardé d'abord. Hein. En fait, je ne sais pas. En fait, au moins si c'était Rihanna, Beyoncé, ils ont de la situation au moins. Mais toi là, en fait, tu n'as pas de situation, tu n'as rien, tu n'es pas. Et puis, qui va te marier, en fait? Tu as trompé ton mari qui t'a ramené ici. Et tout le monde t'a vu déjà. Qui va te marier? Qui va t'épouser? Comment tu vas s'en sortir? Et toi, tu penses que tu te fous de ton mari, mais tu te fous de toi, ma sœur. Là, c'est fini pour toi. Et tout le monde t'a regardé, tout le monde t'a vu. Tu penses que quelqu'un maintenant va oser soi-disant qu'il va te draguer pour te marier? Jamais. Jamais. Ils vont te faire poum-pam, comme du foot. Pam-poum-pam, poum-poum-pam, poum-poum. Voilà, tu vas tourner partout. Comme un rouleau, tu vois. Poum, pam, l'autre donne passe ici, là. Après, on va te retrouver, tu es en train de faire, s'il vous plaît, appeler 115 pour aller dormir. Courage à toi, quoi. Non, viens, le monde t'a dit. Non, Madidi, Ina au sende, ina à combi, est-ce que tu vas comprendre? Non, ina à combi, m'a dit, mon tamou sendema, ina à combi, est-ce que tu vas comprendre? Halim Bagama, Fernando, ina Bagama Keke, abaran dessus. Abaran dessus. Il m'a dessus. Il m'a trop dessus. N'tan sa fa guinéna, on t'en kele pays kerema, on mana il est kering. Et ta ma couleur ma guinéo fort, afon ta ma guiné. Ah, mais ça, c'est pas une surprise. C'est pas une surprise. Ça a eu mis maillot au ma. Et mis maillot au ma, ça a eu. Voilà, et mis maillot au ma. Non, vie, à l'ungi filmé, mané. Vie, à l'una, vie. Même Madina filmé, mané. Non, à la vie. Vie, à l'una, vie. Merci. Merci. Vie, à l'una, vie, à l'unta, vie. Je le connais. Est-ce que ce que les gens sont en train de dire sur lui là, est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? C'est effectivement vrai. C'est son habitude. Il a sa famille ici. Il a épousé une femme ici qui est actuellement enceinte. Il n'a pas su amener sa femme en Europe. C'est son habitude. Je connais un grand frère aussi qui est son petit. C'est son habitude de sortir avec la femme de ses petits. À Nantes, là-bas, c'est son habitude. Il est reconnu pour ça. Donc, moi, la fille, ce qu'elle a fait, peut-être que les gens vont penser, moi, je ne vais pas la blâmer trop. Parce que tu vois, quand je vois la fille, moi, je la prends comme si elle était une gamine. Parce que la vidéo que j'ai vue, une femme mature n'a pas le droit de se comporter comme ça. Oui, moi, je me dis, hein, si elle est vraiment tranquille dans la tête, si elle était vraiment mature, elle n'allait pas se comporter comme ça.
Ce qu'on a dit comme ça, là, c'est vrai. Hein? Il n'était pas venu pour faire une surprise à son petit. On lui a attrapé en train d'acheter du billet. Je ne sais pas, en partant d'où avec la fille. Donc, c'est là que le gars est venu le surprendre. En lui filmant, il a dit en sous-sous, ne me filme pas, je suis venu te faire une surprise. Petit, pourquoi tu me filmes? Le petit lui répond, non grand, tu n'es pas venu me faire une surprise. J'ai vu une de ses vidéos, quand il a appelé son grand, il était en pleurs, le monsieur était en pleurs. Il a dit en sous-sous, hey, ma femme m'a tué. Il a refusé de coucher, elle a refusé de coucher avec moi. Elle est partie se donner à mon grand et mon grand lui a enceinté. J'ai mal. Attends, Fatmata. Donc, le monsieur qui est en chapeau là, le vieux père qui a détourné la femme de son bon fils, c'est un chercheur de femmes reconnu mondialement, internationalement, même par la communauté, par l'ONU. C'est déjà, je vous dis, tout ce que je vous raconte là, c'est déjà clair, c'est son habitude. Non, lui, c'est son habitude de chercher femme des gens. C'est son habitude. C'est son habitude. Je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo, mais il faut voir l'écart d'âge qui est, l'écart d'âge entre celui-là et cette jeune fille. En plus, on ne lui a pas pris à Conakry cette jeune fille. Hein. C'est dans Boké, au village, qu'on lui a pris. Que le monsieur lui a pris. Boké, c'est à Boké. C'est dans la préfecture, je suis en train de parler. Il faut t'éteindre là-bas. Il faut t'éteindre là-bas. Il faut t'éteindre là-bas, tu ne dois pas. C'est dans Boké là-bas qu'on lui a pris. Le gars a travaillé très très dur. Je ne sais donc, pas pourquoi. Il est parti prendre la femme dans un campement. Oui, c'est dans un campement, c'est au village. Ce n'est même pas en capitale, hein, c'est au village. C'est à Boké que le gars a eu le courage. C'est à Boké là-bas. Il a financé tout. Il a payé la dot pour cette jeune fille. Je suis écœurée pour la famille de cette jeune fille. Parce que là où je suis comme ça, là, je sais que quand tu ouvres le cœur de la maman de cette jeune fille, c'est de la peine que tu trouveras. C'est de la honte que tu trouveras. C'est que je ne pense même pas si cette dame, si elle a vu cette vidéo, si elle a pu dormir. Imagine-toi, dans une famille polygamique, comment les choses se passent. Toi, ta fille a eu la chance de se marier en Europe. Personne ne peut... Voilà. La chance. Tu as bien fait des filles, c'est la chance. Voilà, c'est la chance. C'est ce que j'ai dit, c'est la chance. Sinon, il y a des milliers de femmes en Europe. Il y a des milliers de femmes en Conakry ici qui sont plus éveillées qu'elles. Ah, mais pourquoi toi, actuellement? Moi, je suis à Conakry. Moi, je suis à Conakry, dans la commune de Matoto. Moi, je suis à Conakry. C'est qui est Matoto? C'est lui-là qui est Matoto? Non, je dis, je suis à Conakry, dans la commune de Matoto. Matoto, c'est qui? Tu m'as demandé si... Certaines femmes africaines, comment vous êtes en fait quoi? Femme, mes sœurs africaines, ma sœur, est-ce que tu t'es regardé avant de tromper ton mari? Est-ce que tu t'es regardé, s'il te plaît, avant de tromper ton mari? Est-ce que tu as un miroir déjà? Si tu n'as pas un miroir, prends ton téléphone, tu te regardes bien. Parce que là, je n'arrive pas à comprendre en fait quoi. Toi-même, tu t'es regardé avant de tromper ton mari? Non, je ne pense pas. Quelqu'un s'est débrouillé ici et il te marie et puis il prend ton argent pour te ramener ici et toi, tu viens, tu te couches avec, c'est pas son collègue ou son... c'est pas quoi, en fait. Et après, il part, toi, tu te fous de lui, quoi. Tu penses que tu te fous de lui. Non! Détrompe-toi, tu te fous pas de lui, tu te fous de toi-même. Tu te fous de toi-même. Tu connais l'Europe? L'Europe, c'est la zingle. Oui, c'est ici. Du coup, on se mange entre nous. Je ne sais pas si tu comprends. L'Europe, c'est la zingle, ma sœur. Quand la karma commence à te frapper, tu vas pleurer. Tu vas regretter. Tu vas pleurer. Parce qu'ils vont te faire poum-pang ici. Je ne sais pas si tu comprends. Poum-pang. Lui, il tape, il donne l'autre. L'autre tape, poum-pang. Ils vont te faire poum-pang. Parce que d'abord, tu n'as pas de situation. Et c'est toi qui oses de tromper ton mari et puis tu te trompes. Non, mais vous n'êtes pas pitié de vous. Hein? Il y a certaines filles qui n'ont pas pitié de vous, qui n'ont pas pitié d'elles. En ce moment déjà, c'est difficile d'avoir mari. Parce que tous les hommes en ce moment, ils sont occupés de chercher de l'argent, chercher leur avenir.
Et toi, tu trouves un mari qui fait tout, qui te ramène ici. Et toi, tu penses que tu es arrivé au paradis. Tu n'as pas arrivé au paradis, tu es arrivé aux angles. Ici, là, c'est aux angles, ma sœur. C'est aux angles ici, là. Tu ne connais pas d'abord, tu vas connaître. Attends juste un peu. Voilà, attends juste un peu. L'Europe va t'apprendre comment vivre. L'Europe va te montrer la réalité. L'Europe va t'enseigner. L'Europe va t'enseigner. Hein? Vous dites qu'il n'y a rien dans votre cerveau, en fait. Mais vous allez avoir quelque chose. Je rigole. Parce que je ne sais pas si tu t'es regardé d'abord. En fait, je ne sais pas. En fait, au moins si c'était Rihanna, Beyoncé, ils ont de la situation au moins. Mais toi là, en fait, tu n'as pas de situation, tu n'as rien, tu n'es pas. Et puis, qui va te marier, en fait? Tu as trompé ton mari qui t'a ramené ici. Et tout le monde t'a vu déjà. Qui va te marier? Qui va t'épouser? Comment tu vas s'en sortir? Et toi, tu penses que tu te fous de ton mari, mais tu te fous de toi, ma sœur. Là, c'est fini pour toi. Et tout le monde t'a regardé, tout le monde t'a vu. Tu penses que quelqu'un maintenant va oser soi-disant qu'il va te draguer pour te marier? Jamais. Jamais. Ils vont te faire pom-pom, comme du foot. Pom-pom, 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 pom. Voilà, tu vas tourner partout. Comme un rouleau, tu vois. Poum, pam, l'autre donne passe ici, là. Après, on va te retrouver, tu es en train de faire, s'il vous plaît, appelez 115 pour aller dormir. Courage à toi, quoi. Non, viens, à l'autre, t'as dit. À l'autre, t'as dit. À l'autre, t'as dit. À l'autre, non, Maïdi, nous avons dit, Ina au sende, ina à combi. Est-ce que tu vas comprendre? Non, ina à combi. M'a dit, mon tamou sende ma. Ina à combi. Est-ce que tu vas comprendre? Halim bagama, Fernando. Ina bagama, Keke. Abaran dessus. Abaran dessus. Il m'a dessus. Il m'a trop dessus. N'tan sa fa guinéna na. On t'en kele pays kere ma. On m'a na ire kere. Et ta ma kulebra ma guiné au fort à fond ta ma guiné. Ah, mais ça, c'est pas une surprise. C'est pas une surprise. Ça a eu mis maillot au ma. Et mis maillot au ma, ça a eu. Voilà, et mis maillot au ma. Non, vie, vie, à l'ungi filmé, mané. Vie. Aluna, vie. Même m'a dit, n'a filmé, mané. Non, à la vie. Vie. Aluna, vie. Merci. Merci. Vie, Aluna, vie, à l'untagi, vie. Je le connais. Est-ce que ce que les gens sont en train de dire sur lui là, est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? C'est effectivement vrai. C'est son habitude. Il a sa famille ici. Il a épousé une femme ici qui est actuellement enceinte. Il n'a pas su amener sa femme en Europe. C'est son habitude. Je connais un grand frère aussi qui est son petit. C'est son habitude de sortir avec la femme de ses petits. À Nantes, là-bas, c'est son habitude. Il est reconnu pour ça. Donc, moi, la fille... Ce qu'elle a fait, peut-être que les gens vont penser, moi je ne vais pas la blâmer trop. Parce que tu vois, quand je vois la fille, moi je la prends comme si elle était une gamine. Parce que la vidéo que j'ai vue, une femme mature n'a pas le droit de se comporter comme ça. Oui, moi je me dis, hein, si elle est vraiment tranquille dans la tête, si elle était vraiment mature, elle n'allait pas se comporter comme ça. Ce qu'on a dit comme ça là, c'est vrai, hein, il n'était pas venu pour faire une surprise à son petit. On lui a attrapé en train d'acheter du billet. Je ne sais pas, en partant d'où avec la fille. Donc, c'est là que le gars est venu le surprendre. En lui filmant, il a dit en sous-sous, ne me filme pas, je suis venu te faire une surprise. Petit, pourquoi tu me filmes? Le petit lui répond, non grand, tu n'es pas venu me faire une surprise. J'ai vu une de ses vidéos, quand il a appelé son grand, il était en pleurs, le monsieur était en pleurs. Il a dit en sous-sous, hey, ma femme m'a tué. Il a refusé de coucher, elle a refusé de coucher avec moi. Elle est partie se donner à mon grand et mon grand lui a enceinté. J'ai mal. Attends, Fatmata. Donc, le monsieur qui a un chapeau là, le vieux père qui a détourné la femme de son bon fils,
C'est un chercheur de femmes reconnu mondialement, internationalement, même par la communauté, par l'ONU. C'est déjà, je vous dis, tout ce que je vous raconte là, c'est déjà clair, c'est son habitude. Non, lui, c'est son habitude de chercher femmes des gens. C'est son habitude. C'est son habitude. Je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo, mais il faut voir l'écart d'âge qui est, l'écart d'âge entre celui-là et cette jeune fille. En plus, on ne lui a pas pris à Conakry cette jeune fille. Hein. C'est dans Bokeh, au village, qu'on lui a pris. Que le monsieur lui a pris. Bokeh, c'est à Bokeh. C'est dans la préfecture, je suis en train de parler. Il faut t'éteindre là-bas. Il faut t'éteindre là-bas. Il faut t'éteindre là-bas, tu ne dois pas. C'est dans Bokeh là-bas qu'on lui a pris. Le gars a travaillé très très dur. Je ne sais donc, pas pourquoi. Il est parti prendre la femme dans un campement. Oui, c'est dans un campement, c'est au village. Ce n'est même pas en capitale, hein, c'est au village. C'est à Bokeh que le gars a eu le courage. C'est à Bokeh là-bas. Il a financé tout. Il a payé la dot pour cette jeune fille. Je suis écœurée pour la famille de cette jeune fille. Parce que là où je suis comme ça, là, je sais que quand tu ouvres le cœur de la maman de cette jeune fille, c'est de la peine que tu trouveras. C'est de la honte que tu trouveras. C'est que je pense même pas si cette dame, si elle a vu cette vidéo, si elle a pu dormir. Imagine-toi, dans une famille polygamique, comment les choses se passent. Toi, ta fille a eu la chance de se marier en Europe. Personne ne peut... Du tout, voilà. La chance. Tu as bien fait des filles, c'est la chance. Voilà, c'est la chance. C'est ce que j'ai dit, c'est la chance. Sinon, il y a des milliers de femmes en Europe. Il y a des milliers de femmes en Conakry ici qui sont plus éveillées qu'elles. Ah, mais pourquoi toi, actuellement? Moi, je suis à Conakry. Moi, je suis à Conakry, dans la commune de Matoto. Moi, je suis à Conakry. C'est qui est Matoto? C'est lui-là qui est Matoto? Non, je dis, je suis à Conakry, dans la commune de Matoto. Matoto, c'est qui? Tu m'as demandé si... Certaines femmes africaines, comment vous êtes en fait quoi? Femme! Mes sœurs africaines, ma sœur, est-ce que tu t'es regardé avant de tromper ton mari? Est-ce que tu t'es regardé, s'il te plaît, avant de tromper ton mari? Est-ce que tu as un miroir déjà? Si tu n'as pas un miroir, prends ton téléphone, tu te regardes bien. Parce que là, je n'arrive pas à comprendre en fait quoi. Toi-même, tu t'es regardé avant de tromper ton mari? Non, je ne pense pas. Quelqu'un s'est déprouvé ici. Et il te marie, et puis il prend ton argent pour te ramener ici, et toi tu viens, tu te couches avec, c'est pas son collègue, ou son, c'est pas quoi, en fait. Et après il part, toi tu te fous de lui quoi, tu penses que tu te fous de lui, non, détrompe-toi, tu te fous pas de lui, tu te fous de toi-même. Tu connais l'Europe? L'Europe c'est la zingle, oui c'est ici. Du coup, on se mange entre nous. Je ne sais pas si tu comprends. L'Europe, c'est la jungle, ma sœur. Quand la karma commence à te frapper, tu vas pleurer. Tu vas regretter. Tu vas pleurer. Parce qu'ils vont te faire poum-pang ici. Je ne sais pas si tu comprends. Poum-pang. Lui, il tape, il donne l'autre. L'autre tape, poum-pang. Ils vont te faire poum-pang. Parce que d'abord, tu n'as pas de situation. Et c'est toi qui oses de tromper ton mari. Et puis, tu te trompes. Non, mais vous n'êtes pas pitié de vous. Hein. Il y a certaines filles qui n'ont pas pitié de vous, qui n'ont pas pitié d'elles. En ce moment déjà, c'est difficile d'avoir mari. Parce que tous les hommes en ce moment, ils sont occupés de chercher de l'argent, chercher leur avenir. Et toi, tu trouves un mari qui fait tout, qui te ramène ici. Et toi, tu penses que tu es arrivé au paradis. Tu n'es pas arrivé au paradis, tu es arrivé aux ingles. Ici, là, c'est aux ingles, ma sœur. C'est aux ingles ici, là. Tu connais pas d'abord, tu vas connaître. Attends juste un peu. Voilà, attends juste un peu. L'Europe va t'apprendre comment vivre. L'Europe va te montrer la réalité. L'Europe va t'enseigner. L'Europe va t'enseigner. Hein? Vous dites qu'il n'y a rien dans votre cerveau en fait. Mais vous allez avoir quelque chose. Je rigole. Parce que je sais pas si tu t'es regardé d'abord. Hein. En fait, je sais pas. En fait, au moins si c'était Rihanna, Beyoncé, ils ont de la situation au moins. Mais toi là, en fait, tu n'as pas de situation, tu n'as rien, tu n'es pas. Et puis qui va te marier en fait?
Tu as trompé ton mari qui t'a ramené ici. Et tout le monde t'a vu déjà. Qui va te marier? Qui va t'épouser? Comment tu vas s'en sortir? Et toi, tu penses que tu te fous de ton mari. Mais tu te fous de toi, ma soeur. Là, c'est fini pour toi. Et tout le monde t'a regardé. Tout le monde t'a vu. Tu penses que quelqu'un maintenant va oser soi-disant qu'il va te draguer pour te marier? Jamais. Jamais. Ils vont te faire pom-pam, comme du foot. Pam-pom, pam-pom, pom-pom, pam-pom, pom. Voilà, tu vas tourner partout. Rrr, comme un rouleau, tu vas. Pom-pam, l'autre donne passe ici, là. Après, on va te retrouver, t'es en train de faire, s'il vous plaît, appelez 115 pour aller dormir. Courage à toi, quoi. Non, viens, à l'autre, t'as dit. À l'autre, t'as dit. Fali, où est la mairie de Touma? Où est la mairie de Touma? Non, Maïdi, je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Eh, Madidi, ina sende, ina akombi, ese bara akombra. Non, ina akombi, Madidi muntamu sendema, ina akombi, ese bara akom. Hali mbagama Fernando, ina bagama keke, abara ndosi. Abara ndosi. Il m'a dessus. Il m'a trop dessus. Ntanza fa gina nana, onta nkele pays kerema, o mana ile kere. Eta ma kulebra ma gina yo fora funta ma gina. Ah mais ça c'est pas une surprise. C'est pas une surprise. Ça y est, moi, Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Akomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengi Akomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, la famille de l'India Komba, Congolaise TV, vraiment. Nous avons un arrière de ce qui est au fond. Il y a un peu de ce qui est en train de se faire. Il y a un peu de ce qui est en train de se faire. Donc, on va mettre ça dans le monde. Ya boss na biso jipe kiyama nzamela ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na voza nsaote donc na ko le katisa na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi Akomba Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Akomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengi Akomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, Elengi Akomba Congolais TV, vraiment. Bonjour à mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama.
Bonjour, je suis Mme Nakelenia Komba, congolaise qui vit vraiment. Je suis dans la chaîne de Fak Topo. Il y a un boss de JP qui a un boss de boss, il y a un danger. Donc, on va se mettre dans la zone. Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali eh ba boss bazali eh jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na kozangisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss.